Hey, salut YouTube, comment vas-tu? C'est la suite de nos aventures sur Baldur's Gate 2 Enhanced Edition. Lors du dernier épisode, nous avions exploré les collines du Mar à la recherche de ceux qui causaient des troubles aux habitants. Et nous avons enquêté Valigar Cortala qui était sur notre liste de recherchés par les mages cagoulés, les fiefés coquins qui font leur loi, si je puis dire, à Adcatla. Nous sommes avec des gens fatigués, on va faire un petit tour à l'auberge avant toute chose, dans laquelle nous pourrons dépenser une pièce d'or durement gagnée. On n'en a que 32 000, soit à peu près une fois et demie la somme qu'on devait réunir pour Imoen. Mais qui dit Baldur's Gate dit évidemment détour à n'en plus finir, et donc forcément, on va faire des trucs qui n'ont rien à voir. Parlons à Vincenzo. Ici, on n'a jamais Oh, autant c'est bon de te entendu revoir, Seigneur. Puis-je faire quelque chose pour monsieur. toi? Je voudrais profiter de tes services. Oh, bien sûr, je n'ai pas beaucoup de place par contre. Avec tous les gens effrayés qui se sont réfugiés dans le village, j'en suis presque plein. Il ne me reste plus qu'une ou deux chambres. Et fais gaffe au rat pendant que tu dors. Silence! Il n'y a qu'un seul rongeur puant ici, c'est toi! Bon, à nous, Seigneur. Oui, je voudrais ta chambre la plus moisie. Quel luxe. Oh oui. Donc, nous avions une piste qui nous menait vers un truc, les ruines du temple. Nous avions trouvé un parchemin de Mazifantan qui était une fille qui s'était mise sur la route des ruines. On va aller voir ce qui se passe là-bas. S'il vous plaît, la mort, beaucoup trop. Très bien. Je pensais bien. Il vous bien, monsieur. On va récupérer son journal quand même. Non, vous écrivez ce journal sur le corps du guerrier mort que vous avez découvert par la lisière des bois sombres. Les dernières notes sont particulièrement intéressantes. Rien n'est comme je l'aurais imaginé, je m'attendais à devenir un héros quand j'ai rejoint le groupe de Mazifantan. Je m'attendais à tuer des monstres sans mal et à me réjouir de mes victoires comme les vieilles légendes, mais ce n'est pas ce qu'on croit. Je n'aurais jamais pensé qu'à ces marches pénibles, aux horreurs banales du massacre, à l'odeur de la mort partout. Je jurerais que j'en ai le goût dans la bouche. Nous avons tué tant d'ombres et de loups noirs que mon cerveau est aussi engourdi que mon bras. Je suis couvert d'icor et je n'ai même plus la force de me nettoyer. S'il n'y avait pas Mazi, je crois que je deviendrais fou. Je deviendrais fou. C'est une source inépuisable de force et elle nous rappelle toujours les innocents que ces bêtes ont tués. Les horreurs que nous devons endurer pour sauver ces gens sans défense. C'est Mazi, le héros, pas moi. La bataille vient juste de commencer. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à l'entrée du temple en ruine et il grouillait d'ombre. Sans l'esprit vif de Mazi, nous serions sans doute morts. Il y avait bien trop à combattre, mais Mazi s'est servi des vitraux des ruines pour réfléchir toutes les lumières. Elle a illuminé l'entrée et a renvoyé les ombres à leur triste sort. Comme les vitraux réfléchissaient la lumière, nous avons pu trouver, faire, nous faire un refuge, pardon. Toutes les ombres qui s'approchaient étant détruites par la lumière. Demain, nous allons entrer dans le temple, dans les ténèbres. Je suis terrifié. J'essaie d'être aussi brave que Mazi, mais c'est trop dur. Dès que le combat commence, c'est affreux. Je sens moi l'envie irrépressible de m'enfuir. J'espère que je ne craquerai pas. Eh bien, spoiler, tu as craqué et tu as mouru. T'es mort comme un caca. You died like a shit. On est entré ici. Et nous avons une ombre là. Son comportement est inadmissible. Vous ne voudrez pas ma vengeance! De quoi tu parles, hein? Qui es-tu? Jaira s'est pris une petite. Petite taquée. Hello Tancred, tu n'as rien raté, on vient juste de commencer. Je suis passé des collines du Mar aux ruines du temple. J'ai fait ça. Voilà. Puis il y a un mec qui est mort devant nous aussi. Il y a son nom au journal où il disait qu'il suivait Madzi, etc. Pas grand-chose de transcendant. Loup de l'ombre. Il est tout seul. Ça va, il était pour le lion méchant. On va explorer un petit peu la zone, puis ensuite on explorera l'espèce de temple qui semble être la cause des problèmes.
Il y aurait donc une sorcière, mais peut-être, et aussi des ogres et des loups. Encore une fois, les persos ont décidé de prendre le chemin le plus court. Pas grand chose. Y a pas grand chose du tout. On avait repéré l'entrée d'un truc là-bas. Ici c'est une entrée. On va marquer sur notre carte parce que c'était pas vraiment le truc le plus visible. Oui. J'ai des gros doigts. Entrée. Et je vais quitter notre carte parce qu'on a plus besoin. Voilà. Tu tires avec quoi, Yoshimo? Avec des flèches normales, c'est très bien. Faites, tu tires avec quoi? Avec des billes plus 1, c'est pas très bien. Je tire avec des billes normales. Allons-y. Une des nombres. Cette arme est donc totalement inutile. C'est assez un jeu méchant vraiment du nom. Vic Vic. C'est des environs je crois. Ah, Valigar va mourir. Cette arme est donc totalement inutile. Heureusement, Vico est suffisamment forte pour charmer des ombres et chasser les autres. Que puis-je faire pour toi? Il y en a du peuple. Hop, barrez-vous qu'on domine. Je ne sers que la main. Exprime ta volonté. Oui. Je suis prête. Il était temps. Donc les prêtres ont le pouvoir de charmer ou de détruire les morts-vivants. Viconion étant d'alignement mauvais, pardon, elle va plutôt les charmer. Là où un prêtre bon les aurait détruites. Un prêtre bon ou neutre, d'ailleurs. On va profiter pour défoncer celle-ci. Cette arme est donc totalement inutile. Mettons-nous à l'œuvre. Et on va se finir le dernier là-bas. Voilà. Heureusement qu'on avait un prêtre dans le groupe, ça nous a pas mal facilité la tâche. Hein. Les parois du puits sont griffées et déformées comme si une gigantesque créature en était extraite récemment. Le puits est si sombre que votre regard ne permet pas de distinguer le fond. Comme s'il y a une entrée. La gemme, lui, d'une lueur intérieure, faible mais visible. Elle semble elle aussi avoir été affectée par les ténèbres qui infestent ce royaume. Et encore des gens. Décidément. Vous êtes bien nombreux! Cette arme est donc totalement inutile. Je t'écoute. Je ferai en sorte que ce soit rapide. Je ne sers que mon équipe. Cette arme est donc totalement Exprime inutile. Exprime ta volonté. J'ai une petite avoc. Cette arme est donc totalement. Une petite avoc, une petite boule de feu. Allez. Ah, ça fait le ménage. Que puis-je faire pour toi? On a deux ombres avec nous, on va se débarrasser tout de suite. Tous ceux qui sont
fontaine est remplie d'un épais liquide noirâtre qui empeste la pourriture. Si j'avais une bouteille de desktop, ça réglerait bien des soucis. Pour l'instant, ce petit bois n'est pas trop une menace. Encore un loulou. Les loulous. C'est entendu. Hop. Est-ce qu'on a de beau dans le coin? On a cette grotte donc. On a l'espèce d'entrée du temple là-bas. Entrée du donjon. Le temple, la grotte, pardon, dans laquelle on a vu un loup-garou rentrer et qui parlait de sa vengeance. Donc on va aller lui botter le cul, dans le doute. Ok, ceci étant fait, à l'assaut de la grotte. Il y a un loulou qui se cache. C'est munis aux armes normales. Cette arme est donc totalement inutile. Il est munis aux armes normales. Le vil. Un truc. Oui, c'est bon, j'ai bien pensé à enregistrer. Oui, là, c'est le zoom de l'enfer. Des hommes choses, maudissez-vous ainsi que le reste du monde. Un loup ne peut-il pas profiter de son dernier repas en paix? Nous sommes venus mettre fin au mal que vous et vos loups répandez. C'est la dernière fois que vous torturiez un innocent. Mes loups, hein, plus maintenant, maintenant. La meute a été ensorcelée par le seigneur de l'ombre. Votre chasse s'avère vaine. Vous saignez que ce seigneur de l'ombre est responsable alors que vous rongez la carcasse humaine. Pourquoi je devrais te croire, hein? Je fais fi de ce que vous croyez ou non. Ce que je dis est vrai. Cet endroit n'a pas toujours été comme cela, flotter dans une obscurité malsaine et maudite. C'est récent. Les ruines à l'est du Nid ont longtemps été un endroit de mauvais augure pour ma meute et moi. Nous ne voulions pas piétiner le sol du temple déchu. Autrefois, ce temple était consacré à Amonator, un dieu du soleil, et une grande prophétesse y est enterrée. C'était une terre sacrée, même si maintenant elle est maudite. Il est évident que le pouvoir d'Amonator s'est étiolé. Car si nous étions toujours dans un véritable sanctuaire, ma perte ne serait sortie des profondeurs de ce temple. Eh bien fait pour ta gueule. Il y a quelques semaines, des grondements sourds ont résonné en dessous du temple. Nous n'y avons pas fait vraiment attention jusqu'à ce que le ciel s'assombrisse et que les ombres gagnent en importance. Il était midi lorsque c'est arrivé, la meute s'est rassemblée pour que je puisse les calmer. Je crois que c'était une éclipse. Ce n'en était pas une. Le seigneur de l'ombre nous a ensuite rejoints. Il contrôlait mes loups, mes enfants avec son regard. J'ai changé de forme et j'ai tenté de vaincre son côté obscur, mais il riait presque. Il disait, Anat, soumets-toi à ma volonté, tu seras ma vengeance. Il a marché parmi les loups terrifiés et les a tous tués en les touchant. Une fois qu'ils étaient tous morts, son côté obscur a gagné les corps de mes enfants et les a animés en loups de la pénombre. Terrorisés et bouleversés, j'ai couru. Ces dernières semaines, j'ai fui les ombres qui autrefois étaient des loups et l'obscurité qui émane du temple où était emprisonné le seigneur de l'ombre. Je ne me cacherai plus, je n'ai tué cet homme que pour rassembler des forces et affronter le seigneur de l'ombre. Il n'aspire qu'à tuer, et ce qu'il tue, qu'elles soient des hommes-choses ou des loups, deviennent des ombres dans son armée. M'autoriserez-vous cette vengeance, ou dois-je me battre contre vous aussi? Oh bah vas-y, hein, les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Hein. Je vais l'affronter maintenant. Si vous estimez les pauvres hommes-choses de Innesval, vous me suivrez jusqu'au temple et les tuerez si j'échoue. Bonne chasse. Oui, oui, c'est ça, je... Va te faire massacrer. Bisous, cordialement. Waouh, un anneau tout pourri, je suis très content. C'est qui le seigneur des ombres? Eh bien, tu le découvriras bien assez tôt, mon brave homme. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il est venu. Et qu'il a foutu The Dawa. Il y a beaucoup trop de bordel dans mon inventaire. Excuse-moi, mais je ne peux rien porter de plus.
Hop, pi plus 1, bi plus 2. Hop, il y avait quoi? Main enflammée à l'anneau pourri. Voilà. Alors, du coup, on va pouvoir aller au temple. Désolé pour le coup dans le bureau. Comment puis-je te venir en aide? Cet épisode n'est toujours pas sponsorisé par Bray Scolaire. J'en suis à court. Je me console en buvant des verres à bière, mais ça reste de l'eau, putain. C'est triste. Boire de l'eau dans un verre à bière. Quelle indignité. Comme aurait dit je ne sais plus qui. Et Fade, c'est un piège. Servez-vous du miroir à gauche du cristal, là, pour rassembler le peu de lumière qui reste et venger ma meute. Comment tu t'es fait défoncer? Ah, c'est ça le miroir. Scrooge. On va pouvoir s'éloigner et calmer les ombres. Voilà. Alors l'inconvénient c'est que du coup on n'a pas l'XP. Mais on évite de mourir. Ce qui est plutôt une bonne chose. Bon. Bon, elle avait rien sur elle, Josette. C'est entendu. Merci. Bravo. Je m'en voudrais de refuser. Alors là, ça pue les pièges. De quelle manière puis-je vivre comme l'éclair et tout ce qui s'ensuit? Retire l'arigot. Que puis-je faire pour toi? Cette arme est donc totalement inutile. Magnifique. Ouais. Bien joué. Oui. Ah, des couloirs. C'est toujours un plaisir de manœuvrer dans les couloirs dans Baldur's Gate. Oula, les chevaliers squelettes. Vic Vic, je sais pas ce que t'es. Renvoie des morts vivants à la suite sur les deux. Hop. Ça laisse un peu de marge pour les autres. Par contre, Valigar, elle commence à prendre un petit peu chez vous. Lui, il est tremblote. Valigar est vraiment dans un sale état. Tiens, va taper ton copain. Vous ne libérerez pas les beaux du maître mortel. Je vais le quitter, calme-toi. Bon les gars, tu vas te barrer viteuf. Alors oui, c'est vraiment rien. Ah, il a lâché une clé. Très bien. Ce qui peut faire le tank, il n'y a pas de souci. Pour l'instant, tu vas ramasser ce qui traîne. Que puis-je faire pour non, non. Un bon petit ménage. Je pense être prêt. Jaja, tu vas soigner. Oui, déjà, je vais calmer le boulot. Jaja, tu vas soigner Vali. Yo-Yo, tu vas chercher les pièges parce que ça m'étonnerait qu'il n'y en ait pas.
savoir nous appartient, tu le sais. Il y a un chat pour se livrer aussi. Alors, des ossements d'Amuana, des flèches. On va prendre les ossements. Yoshimo, t'as plus beaucoup de flèches normales. Par contre, t'as une tonne de brins. Bon, le message, on s'en fout. Le journal, on s'en fout. Hop là. Hop, hop. Viconia, c'est tous les flèches que t'as aussi, toi. Cessez d'avoir autant de flèches sur vous. Et de potions. Comme tu voudras. Alors. Oh, nobles amis, j'implore votre aide en cet endroit maléfique. Une petite donzelle. Quelle aventure vous a mené dans ces lieux funestes? Petite donzelle, je suis une guerrière. J'ai pour mission de rendre ces lieux moins funestes en détruisant le mal qui les infecte. Bon, d'accord, je me suis peut-être trompé. C'est qui? T'es qui? Votre Altesse, je suis Madifantan, vaillante servante de la justice et de la vertu. Comme vous le voyez, j'ai besoin de votre aide. Et vous l'aurez. Comment est-ce que vous vous êtes retrouvé ici? Je suis une aventurière, j'ai mené ici mes guerriers pour découvrir les sources du mal qui s'est abattu sur la région. Ce qui est devenu très clair lorsqu'il a massacré mes compagnons à l'hôtel des ombres. Vous avez combattu mes geôliers les ombres. Ces âmes infortunées sont les restes des victimes qui ont été perverties par le pouvoir de ce démon des ombres. Des ténèbres, le seigneur des ombres. Mais c'est qui? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il a? Qui c'est celui-là? Il est venu dominer et conquérir. Ce seigneur des ombres semble se nourrir de la corruption des âmes. Si on n'arrête pas, il continuera à agrandir son armée d'ombres. Bon bah du coup, on va lui botter le cul. Raconte-moi ta tentative, comment tu t'es fait défoncer. Mes compagnons et moi avons été engagés par le pasteur Lloyd d'Imnesval pour retrouver la gardienne de la paix, Mirella, et d'enquêter sur la vague de meurtre qui s'est abattue sur la région. Nous avons trouvé le journal de Mirella qui mentionne l'atroce emprise des ténèbres sur ces terrains. Les légendes locales racontent comment le Seigneur des Ombres fut abattu par Ammonator il y a très longtemps. Nous sommes entrés dans les ruines du temple et nous avons trouvé infesté de la magie des ombres. Les ombres loups viennent des meutes de loups qui vivent dans les collines il y a quelques semaines encore. Par les grimoires et d'autres indices, nous avons appris l'existence d'un hôtel d'Ammonator perverti que l'on ne peut atteindre que par les soubassements de ce lieu. Il fallut trouver les pierres de soleil afin d'ouvrir les portes des ténèbres que le Seigneur des Ombres avait placées sur notre route. On peut les acquérir en réussissant les épreuves d'Ammonator. Nous avons cherché les trois pierres de la clé de la porte qui mène à l'horreur que commande le Seigneur des Ombres. Le Seigneur des Ombres commande un ombre dragon, un adversaire mortel. Cette créature nous écrasera en riant, je ne sais par quel moyen la vaincre. Le pire en tout cela, est-ce que le Seigneur des Ombres a pris la vie de mes amis en filant membre de son armée maudite? Mon bien-aimé Patrick est devenu une monstrueuse. Pas toi, Patrick! J'aurais avec joie suivi mes amis dans la mort, mais le Seigneur des Ombres ne permet pas au dragon de me tuer. Il veut que je sois ce qu'il appelle son épouse. C'est-à-dire qu'il est petite. Il n'est pas une créature de ce monde et il n'a pas besoin de posséder un corps, se nourrissant de sa vie. Il habite Mirella en ce moment, et comptait sans doute utiliser mon corps une fois qu'elle serait affaiblie. Je suis porté à croire que cet hôtel, gardé par le dragon, est la clé du mystère. Il faut trouver un moyen de tromper sa vigilance, car nous-mêmes, nous pouvons le tuer. Le Seigneur des Ombres et son hôtel doivent être détruits. Je ne suis pas blessé et je suis prêt à me battre avec vous si vous voulez de moi. Oui, bah on te libère, mais bon, on est groupe complet, hein. On peut être que 6. Salut, bisous. Comme vous voudrez. Dans les environs, vous devez trouver une pierre de soleil pour passer une de ces portes de ombre. Attention, une fois retiré de l'hôtel, sa lumière ne vous protégera plus contre les ombres. Merci de m'avoir secouru. Si jamais vous avez besoin d'une brave compagne, je réside à Franc-Marché avec ma famille. Renseignez-vous à la taverne, tout le monde me connaît. Très bien. Journal de Tombleton. Par contre, on est encombré. Des épées de main plus 1, ça se prend. Hop là. On peut même prendre des billes normales, c'est la teuf. Alors, qu'est-ce qu'il raconte? Cette demi-page de parchemin jaune est craquelée par l'âge et couverte de vieilles taches. Le haut de la page est déchiré comme arraché à une autre moitié. L'encre à peine lisible tente à la passer. Dans la clairière, dans laquelle il y a une clairière au sud, soigneusement dissimulée dans une colonne de rochers. Ces colonnes sont courantes dans la région et celle-ci n'est différente des autres que parce qu'elle est entourée d'arbres. J'entends bien envoyer ce journal à ma famille afin que si je ne reviens à la maison, quelqu'un puisse trouver ma cache et en bénéficier. Ça part d'une cache et d'un truc à récupérer, ça m'intéresse. Une statue invisible
Et une ombre. L'ombre s'est fait. Parlons de la statue. Ce buste représente Amonador, le dieu du soleil, et son piédestal est gravé l'épitaphe suivant. Le rituel divin ne saurait être tourné en dérision. Nul n'est digne de sa grâce s'il ne lui a rendu hommage selon ses préceptes. Observez les rituels ou subissez son châtiment. Bon, vu qu'on a aucune idée de quoi il parle, on va peut-être pas s'y fronter tout de suite. On va déjà faire le tour du temple. Bon, ça sert à rien que vous mettiez à distance de toute façon, puisque les ombres sont immunisées aux armes normales. Oups, petite embauche. Le pénitent le passe. Bah, c'est un peu l'idée du temple. On bientôt fini d'invoquer du peuple. Alors quelque chose me dit que cette espèce de cristal à la con, il faut l'activer pour calmer les ombres. Des ombres, une des gemmes qu'on doit récupérer pour former la clé. Tchoup. Alors Yosh Yosh, qu'est-ce que tu peux nous trouver là-dedans? Rien de dangereux, rituel du matin. Ce parchemin te rappelle la prière rituelle du matin pour les fidèles du dieu solaire Amonator. Attendez le livre sacré, méditez. Mais on ne sait pas la première partie. Très bien. Très bien, très bien, très bien. Ah, tu y as un loulou. Il y a des loulous. Hommage bien sûr à un cœur de loup, hein. C'est Philippe Laville, je crois. Rituel du matin, aller aux toilettes et boire un café. Il y a une dernière partie du rituel, mais espace aux toilettes, en effet. Ok, il y a un mec qui apparaît comme ça, tranquille. Ouais, hop. Calmez-vous les raclos. Qui est fait. Ah, Philippe Laville, en effet. N'oublions pas que Philippe Laville est un chanteur qui tape sur des bambous, et ça lui fait du bien. C'est entendu. Valigard, t'as une certaine protection contre le feu, ça va être une bonne idée de traverser. Ça pique, ça pique, ça pique. Bonjour, brave Jean. Que puis-je faire pour toi? Super Minsk qui se fait paralyser dès le début du combat, c'est une bonne idée.
on aurait dû le repousser avant. C'est entendu. Je pense être prêt. Je suis toujours. Vous y avez bien réfléchi? Oui, tu peux aller te faire cramer les pieds, c'est un petit peu ton bizutage, Valigar. Bon, c'est agaçant tout ça. Hein. Tiens, allez, hop, baston de Macalé. Sur le côté, il n'y a plus les portraits de tes persos. Et oula, je suis mal zoomé. Je suis tout zoomé dégueulasse. Autant pour moi. Ah oui, j'en ai pourvu. Voilà qui est mieux. Voilà, voilà. Encore une fois la régie, hein, l'alcoolisme de la régie qui fait des miracles. Ça, c'est la magie. Notre ami le combattant squelette est en train de se faire griller le cul. Selon les termes scientifiques. Sinon, ce que tu peux aussi faire, c'est bouger et attaquer. Zico, tu vas le soigner quand même. Il était temps, certes. Le prêtre est super utile pour les morts vivants, oui, en effet. Pas mal. Mais t'arrêtes pas au milieu des flammes. Minsk, je sais que t'es un peu con, mais quand même. On va se reposer. Parce que dans le piètrement embarqué. Et y'avait pas un autre mec encore qui doit aider. Ah si, tu étais là. Petit coquinou. Visiblement, Valigar s'est transformé en souffre-douleur du groupe. C'est le Red Eyes, comme on dit. Équipé de son fameux amant à embrouille. Aimant à embrouille, pardon. Valigar fait ce qu'il veut de ses amants. On n'est pas là pour juger. Hop. C'est prévisible. Une pierre des carreaux, c'est tout pourri. Une boule de feu, ça pique. Tout ça pour une baguette de foudre et des fléchettes à la con. On est heureux. Par contre, la pierre ionique, c'est pas mal. Pierre ionique blanche. Régénération de 2 points de vie par minute. Et ça remplace un casque. Enfin, c'est portable par des non-mages. Par des mages, pardon. Donc, du coup, petite régène sur Fate, ça fait toujours plaisir. De quelle manière puis-je... Yoshimo est prêt. Nous avons le rituel du midi, un appel de wyverne, des billes et un grimoire d'ammonateur. Je t'écoute. Pas mal de babioles à ramasser. J'y vais. Alors les billes plus un, ça va être pour toi.
Rituel du midi. Que vos voix chantent les glorieux chants de notre Seigneur. On ne connaît pas la deuxième partie. Réjouissez-vous de la puissance de la lumière qui écrase les ténèbres. Le grimoire. Monateur regarde les ombres. Blablabla. Serpent égal. Le dieu du. Très bien. C'est tout ça pour dire que le monateur est trop génial. Voilà qui nous avance bien. Je pensais bien. Plané, affûté et impatient. Fantôme de Badon. Oh, lumière, est-ce possible? Vous êtes venue, femme, portant avec vous les restes de notre prophétesse enfant, Amouana. Ses tourments s'achèvent. C'est de quoi tu parles? Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais là? Il y a bien longtemps, cet endroit était un lieu de ténèbres et de villes créatures en jaillissaient pour se répandre dans ce monde. Amonador l'a envahi, qui a amené sa lumière et en a chassé les ombres. Le dieu solaire a érigé des temples ici et les a protégés pour tenir au respect des ténèbres à tout jamais. Autrefois, il y avait des prêtres qui criaient son nom vers les cieux et entretenaient des protections. Mais au fil des âges, notre Amonador a perdu son pouvoir. Les gardiens du soleil n'est plus adoré comme autrefois. La vigilance commence à affaiblir. Amouana est née au sein de notre peuple en tant qu'enfant prophète. L'enfant de la lumière destiné à combattre les ténèbres qui, une fois de plus, commençaient à envahir ces terres. Spoiler, elle a dû rater. Mais il était trop tard, trop tard. Amouana fut submergée par le Seigneur de l'Ombre. Nunpum l'a protégée tandis qu'il prit son corps et qu'il jeta ses os à ses loups sombres. Lol. Vous nous avez ramené les ossements de l'enfant. Ces tourments entre les mains du Seigneur de l'Ombre sont enfin terminés. Notre devoir s'achève. Amouana, s'il te plaît, pardonne-nous. Pardonne notre échec et laisse-nous enfin traverser. J'ai échappé aux prises des loups de l'ombre, je vous suis redevable. Badon et Detsé ont été relevés de la fonction et ont traversé. Je les rejoindrai bientôt. Je prie pour que vous soyez là pour jeter un sort au mal qui s'est emparé de cet endroit. Un mal que je n'ai pas eu la puissance de combattre lorsque j'étais parmi les vivants. Mais je suis puissante, j'ai assez de puissance pour échapper aux gardiens. Si besoin est, je peux vous donner cela, une pierre gardienne. Portez-la et l'horrible dragon de l'ombre ne remarquera pas votre passage. N'attaquez pas la bête ou ni n'attirez son attention et vous serez sauf. Assez pour vous mesurer à ce maudit seigneur de l'ombre qui s'est emparé de mon autrefois célèbre temple. Je m'en vais maintenant, rejoindre mon gardien du soleil éternel. Je vous donne la liberté et vous serez éternellement reconnaissante. Vivez, mes amis, vivez longtemps et bien. Que la lumière soit jamais victorieuse. Que brûle votre cosmos. Bon, par contre, c'est bien, mais on commence à avoir une tonne de bordel dans l'inventaire. Et oui, je transporte les restes d'un dieu, comme ça, tranquille, dans sa petite boîte. Et je vais profaner sa tombe. Tranquille. Un dragon. Et oui. Perse magie, c'est très bien. Appel de wyvern. Attrapez-les tous. Les sorts. Il manque des parties du symbole. Que puis-je faire pour toi? Allons-y. Ça fait 12 000 XP quand même pour deux sorts, c'est pas mal. Il y a des bibis. Pierre de soleil plus 1 qui fait des dégâts de feu, je prends. Alors. Une deuxième protection. On peut franchir pour l'instant. Ouh, du monde. Messieurs, bonjour! Voilà! Ça fait du monde qui est là. J'y connais, ce serait bien que tu réussisses ton jeu, merci. Les autres sont en train de se faire défoncer là-bas.
Alors que vous approchez du sol pavé de lettres, une voix retentit. Seul le nom du maître te protégera du pouvoir des ténèbres. Le nom de Dieu. Le mot de Dieu. Le mot de Dieu. Barre-toi, Minsk. Laisse Valigar, notre souffleur officiel, encaisser les coups. Mais pas trop. Bon. En hébreu, évidemment. Petite boule de feu. Des noms qui... Oh putain, ils ont fait tous fait réussir leur sort, leur G, saloperie. Tiens, ça c'est bonus. Ah bah, t'es déjà mort, c'est ballot. Nous avons une convocation d'élémentaire de terre mineure, mais on le connaît déjà. Ici une épée, il y a un bouc en enfer dans le passage. Et on n'a plus qu'un seul mage. Oui, ce qu'on va faire et qui serait pas très con, c'est soigner Minsk aussi. Que puis-je faire pour toi ? Je pensais bien. Ah, combattant squelette, il fait mal. Hein. Hop, hop, hop. Hop là. Putain, ils sont les mises de la magie, c'est con. Ouh, putain, golem d'os. Bon, on va utiliser la fuite, cette stratégie ancienne et toujours efficace. Non, non, non. Évidemment, c'est le moment où on n'a plus qu'un seul mage. Et oui, il résiste à la magie, ce con. Non, Vicky s'est fait éclater. Bon, au grand mot, les grandes phrases. Il y a du level niveau mob, ouais. Ben en plus c'est dans des couloirs donc c'est pas... C'est pas très pratique. C'est pas grave, on va... améliorer un peu les choses. Exprime ta volonté. Améliorons un peu notre quotidien. Ce qui devrait être transformé en machine à tuer. Peut-être il part. Bon, voilà qui règle le problème un petit peu plus vite. Du coup, il a pris quelques coups au passage, mais c'est pas trop grave. Ah. Efficace. Oui, alors, on ne pousse pas Minsk dans les pièges, merci cordialement. Un monateur. Bah oui, du coup il a pris super cher. Bravo le veau. Oups. Oui, mettons-nous à l'œuvre. Comme tu voudras. Chaque hamster
vivre par l'épée une vie longue et heureuse. Blindé, je me dresse pour la justice. On va la tirer avec Fate qui est sous protection. Tu vois ça, Boo? Cours, Boo, cours! J'ai dû abandonner ce que tu m'avais donné. Que puis-je je n'ai que deux bras, j'ai plus de place. Coucou. Il ressent pas les coups, il a défoncé ma peau de pierre. Immobilisation ne servira à rien. Lenteur, je suppose qu'il va résister, mais on ne sait jamais. Ouf, Valigar, c'est pas passé loin. Derrière-vous. Vigui, tu viens de te faire défoncer aussi. Ce serait une super idée pour mettre fin à ce monsieur. Trop tard. Vous connaissez les mourus. Oui, c'est entendu. Bon, maintenant on sait où il est, ça va aller plus vite. Allez, viens. On va attendre un peu. Hop, 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 hop. Le mot de Dieu, hein, bien sûr. Évidemment. On ne marche pas sur le piège. Merci cordialement. Il n'y a pas une formation qui a permis de suivre. Si, il y a une follow solidaire. Je m'en voudrais de. Oui, bah, don't be an abruti. Putain, mais pas Fanny, il est quand même débile. Faut pas les cogner aux dégâts contondants. Ça dépend des types de golems en fait. Et c'est ça qui est fâcheux. Déjà, est-ce qu'on a de la place sur quelqu'un pour récupérer les parchemins? Hop. Toi, tu vas récupérer une tonne de bras en fait, t'es pas chargé du tout. Hop, hop. Je peux même t'affiler ça et ça. On est là. J'ai dû abandonner ce coup. Comme ça, toi, tu peux récupérer le cap supérieur. Manteau, pardon. Ah, raté, dommage. Dommage. Hop, hop, les deux épées. C'est très bien. C'est entendu. Bah, est-ce qu'on peut tenter la gruge? Que puis-je faire pour toi? Je m'en voudrais de refuser. Les sorts ne lui font pas d'effet. Ce qui est quand même bougrement embêtant. De rapidité en stock, non. Plus le problème c'est qu'il y a cette espèce de labyrinthe relou juste avant. Oh, oui. Qui fait qu'évidemment c'est con, ils ont tendance à marcher sur la mauvaise plaque et à se faire cramer le cul. Un sort bien utile, hein. Grosse efficacité. Je pense être. Je peux aussi danser sur la tête d'une épingle. Bon. Je pensais bien. Qu'est-ce qui se passe si on fait ça comme ça? Bon, déjà, une porte. Très bien. S'il vous plaît, je dois parler à votre chef.
I am the boss. Être de lumière, faisons un échange. Des informations sur ce que vous cherchez en échange de ma liberté. Pourquoi tu croirais? J'étais au service du maître des ombres et vous voulez bien les détruire, n'est-ce pas? Je peux vous y aider si vous me libérez. Ok. Merci mille fois, je ne vous décevrai pas. Je vous suivrai comme une ombre. Faites-moi traverser la paroi et je vous dirai ce que vous voulez savoir. Oui, non, ça pue l'arnaque. Dis-moi d'abord ce que tu sais. Demi-elfes suspicieux. Et une chapelle à côté de ces cellules, j'ai pris une clé que j'ai cachée ici, vous en aurez besoin pour attendre l'ordre du maître. Maintenant faites-moi traverser. Bah non. Vise les yeux, ou vise les yeux. J'ai trahi le traître. Hop. Du mal. Allons-y. Bon, va falloir quand même se faire ce golem d'os. Donc on va se reposer, on va se remettre la totale de nos sorts. Jaira, t'as quand même pas beaucoup de trucs utiles, hein. Je veux pas être méchant, mais tu sers un peu à rien. Que puis-je faire pour toi? Ton verre est ma volonté. Oui. Oui. Hop. Et le petit sort de vitesse qui fait plaisir. Voilà. Avec ça, nous sommes parés à affronter le gros monsieur. Coucou, gros monsieur. Bon bah voilà. Ça va beaucoup plus vite comme ça. Ouh, un truc. Moult objets. Protégez-vous contre les armes magiques. Une gemme de soleil, une fronde, des bibilles, un rituel et un sort de désintégration. La protection contre les armes magiques. C'est bien. Fronde plus 3. Ouh, ça pique. C'est mieux que notre fronde plus 1. Des pierres de soleil, ça va être Valigar qu'ils avaient, ouais. Rituel du crépuscule, on va pouvoir, je pense, se taper le rituel d'Amonator. Grâce à ça. Plus facile d'un seul coup. Bah ouais, une fois que toute l'équipe est à fond, ça va un peu mieux. Bon, décidément, tout ne marche pas comme prévu. Cette stratégie de suivre le chef sur les mêmes machins. Front plus 0, pas plus 1, bah oui. Viconia level up, merci, j'avais pas vu. J'avais entendu qu'il y avait eu un level up, mais j'avais oublié qu'il était déjà passé. J'ai de sauvegarde améliorée, meilleur taco, putain, 2 tacos c'est bien. 4 et 1, niveau 4, niveau 5. 2 points de vie de plus, on s'en fout, c'est anecdotique. Mais là c'est bien. Point des blessures graves. Et on a. Mise à mort, c'est vraiment bien. Soit des blessures critiques, c'est pas mal. Mise à mort, c'est parfait. Que puis-je faire pour toi? L'occasion de pourrir un combat en 2 secondes. Hop. Et on doit avoir le symbole. Où est-ce qu'on a de quoi ouvrir là-bas? Ça nous faciliterait la vie pour revenir sur nos pas. D'avoir les persos sous hâte, ça fait un petit peu film de Benil.
Un sort qui peut tuer, ça peut être drôle. Il y en a plein des sorts qui tuent, hein. Des sorts qui tuent instantanément, il y en a quand même pas mal. Un des premiers qu'on a, c'est désintégration. Le problème, c'est que ça a tendance à aussi tuer une partie de l'inventaire de la victime. Donc, du coup, pas d'inventaire. Pas de loot, pas de loot, pas d'or, pas d'or, tristesse. Après, des sorts qui tuent, ouais, il y en a une paire. Hein. Il y a écrit de la Banshee, je crois, niveau 8 ou 9. Il y a des trucs sympas. Encore un loulou. Des louloux. Alors, il va falloir lire le rituel et le comprendre. C'est entendu. Sinon, on va se faire griller le pion. Alors, tendez le livre, méditez. Le crépuscule, c'est quoi? Les préceptes de la foi, les enfants. Bon. Voyons vire. Je m'en voudrais de refuser. Enfant du soleil, passeras-tu l'épreuve du Saint-Rituel? Je vais prouver ta conviction avant que le Seigneur du Soleil neuf dans sa molle. Je suis prêt. C'est bien, prouve ta foi et sois béni. Une plate de mort pour mot de pouvoir mortel, transformation de la chair en pierre. Oui, du sort qui tue. C'est l'aube, oh, toi qui aspires à la lumière, quel est ton premier devoir? Je sais déjà plus. Je récite les doctrines. C'est incorrect. Aïe. C'était pas ça. Alors, c'est tendre le livre, méditer. Et donc, le premier, ça doit être. Les voix. Les préceptes. Ah, ouais, d'accord, donc c'est le troisième. Les voix, les préceptes. Alors, chanter les louanges, machin, les préceptes. Que puis-je faire pour toi? Tu n'as qu'un mot à dire. Une prière à la lumière. Ensuite, je t'en dirai. Livre. Méditerai sur les barres de lumière. Pouf. Alors, rituel du midi. On chante, on fait blablabla et on se réjouit des lumières. On chante, on se fout du livre sacré. Et on se fout des enfants. Les enfants. Oui, c'est entendu. Je chante. On s'en fout des enfants et on s'en fout du livre. Donc c'est je lève les mains. J'enlève les mains. Et on se réjouit de la suprématie du soleil. Et la dernière épreuve qu'on va sauvegarder avant de se rater. On va résister le ken de la foi. On va présenter le saint volume. C'était pas ça. Ça pique. Doctrine de la foi. Les enfants. Les enfants. Et on pleure et on se lamente. Et on a failli crever face à une statue. Les épreuves sont terminées. Amonator, dans sa gloire, t'offre ce symbole sacré. Utilise-le avec ses frères pour former le symbole d'Amonator. Cette combinaison est la clé qui ouvre la porte du repère du Seigneur des Ténèbres. 45 000 XP plus 21 000 derrière. Ça fait beaucoup. Par contre, c'est marrant, je peux pas ouvrir ici. Faudrait que je rate un truc. Ça c'était bon, on a les billets. Pas grave. Ah bah les gars, arrête de faire le kiki. Alors du coup, on a la pierre qui nous permet de ne pas être visible par le dragon. Mais on est là pour le fun. On est là pour la blague, on est là pour le lol. Le dragon.
Ce n'est pas une mine, c'est un tombeau. Prout. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. Alors, je sais pas si on peut se reposer ici. Oui. Je propose qu'on se balance les sorts comme des gros porcs, qu'on attaque le dragon, on va se faire défoncer, et on arrêtera l'épisode, et on fera une tentative après. Du coup, c'est... D'abord, on va lire nos sorts, parce qu'on a besoin d'un truc pour percer sa magie. Je pense qu'il doit avoir une résistance. Brèche, ça va pas être suffisant. On n'a pas la perce magie, justement. Que je vais récupérer, je ne sais plus quand. J'ai peut-être pas réussi à la prendre et ce serait ballot. Ah, annulation des sorts, c'est quoi? Non, c'est pas suffisant. On prend des potions, mais non, les potions c'est pour les faibles. Ah, la perce magie, c'est surtout pas le bon niveau. Dommage parce que ça. Ça aurait été bien utile. Fichtre. Et on est très très loin de notre niveau, on peut même pas miser sur ça. Allez, on va faire une première tentative à l'ancienne, à la dure. Appelée aussi à l'arrache. Après, c'est vrai que je peux filer des potions à Minsk, par exemple. Mais ça reste un dragonnier. Et sans mage suffisamment efficace. Bon, Viconia va être boosté à l'ancienne. Comme d'habitude, j'aurais tendance à dire. Même la mise à mal, je pense qu'il n'y a aucune chance que ça passe. On va se mettre une résistance à terreur parce que bon. Ces braves gens ont tendance à être extrêmement chiants avec ça. Et toi, tu vas te lancer une vision véritable parce que un dragon sous invisibilité, ça pique. Allez, première tentative. Coucou, claquer. Alors comme ça, mes petits chaloupins, vous avez trouvé le sommeil du dragon d'ombre. Vous êtes dingue, aveugle, peu importe, je vais vous écarteler et me régaler de vos entrailles pendant que vous me demandez grâce. Ok, non. Comment dire? Je suis certain que cela sera. Je requiers un conseil. Yoshimo est prêt. Oui, je pensais bien. Je t'écoute. Jaja, tu vas être là-bas. Vicky là-bas. Que se passe-t-il? Oh, que se passe-t-il? Je ne sers que la Nakales. Minsk, tu vas faire cramer le cul. Yoshimo t'attaque. Toi, tu projectiles magique, mais je pense que ça ne suffira pas. Lance plus un, c'est tout pourri. Bim bim bim. Jaira, c'est bon. Vicky. Tu vas tenter la mise à mal, mais on n'y croit pas un instant. Ah, il est quand même légèrement blessé. j'ai pas vu si le projectile magique avait fait quoi que ce soit. Tu vas te faire éclater. Je suis toujours là. Minsk est déjà vous êtes complètement hors combat. Minsk et vous sont prêts. Vicky, tu dégages. Ah, bah Jaira vient de se faire cramer la gueule. Ah, mais elle vient de se faire absorber des niveaux en fait. Dommage. Viconia tape pour rien. Oh oui, ça me donne pas. C'est dommage. Bon, on va essayer de tenir le combat quand même pour voir jusqu'où on va aller. En fait, ah, il absorbe des niveaux en plus, ça veut dire. Ah, il y a une petite confusion. Alors en plus, il me semble que c'est un des dragons les plus faibles du jeu. Pour ne pas dire que c'est un gros loser.
Attention Yoshimo, ça va couper. Pour l'instant, je résiste, je prouve que j'existe. Bon, c'est une boule de feu sans lui parler. Oui, je lui parlais avant histoire de rigoler un peu. Allons-y. On remarquera que Fade il tient bien. Hein. Plus pour longtemps parce qu'il va perdre sa pote pierre, mais. Attention, j'ai invoqué un garde d'élite gnoll. Ça rigole plus. Bon, et mais du coup, c'était une baston contre un dragon, et ça fait bobo. Du coup, YouTube, je te dis à la prochaine, et puis Twitch, je te dis à tout de suite. Bisous.